Je m'appelle Virginie Durand, j'ai 36 ans. À la base, j'ai fait des études en hôtellerie et restauration. Et puis après, j'ai plutôt travaillé dans des maisons d'entreprise. Par la suite, j'ai été aide ménagère par des titres service. Et puis, je suis arrivée à l'EPI. Parce que j'avais envie de reprendre des cours, parce que j'avais envie de changer, j'avais envie de me réorienter vers tout à fait autre chose. Et pour reprendre ces formations, il me fallait des bases, un minimum de bases en informatique, que je n'avais pas du tout. Par le forum, c'est le forum qui m'a aiguillée, qui m'a dirigée vers l'EPI, en me disant qu'ici qu'il y avait une formation où j'allais pouvoir apprendre les bases en tout cas. Mais dans un premier temps, il y avait la découverte de l'outil informatique, dont la souris, le clavier, enfin tout ce qui tourne autour de Windows. Puis après, le net, enfin, faire des recherches sur Internet, créer une adresse mail, ça a été la grande découverte. Et puis envoyer des mails aussi, il faut la créer, mais après il faut apprendre à envoyer des mails avec les fameuses pièces jointes. Et puis la découverte de Word, initiation, une bonne initiation en Word et en Excel aussi. Voilà. Et puis le CV, et puis les exercices, et puis voilà. Mais les progrès pour moi, ça a été vraiment de pouvoir me familiariser avec un outil que je ne connaissais pas. Donc, et puis, qui m'effrayait en fait. Qui m'effrayait. Ah oui, non, ça m'effrayait. À la limite, j'avais peur de le toucher pour qu'il explose. Mais ça m'effrayait. Et puis de me rendre compte ça m'a vraiment mis confiance. Ça m'a donné confiance en fait. Enfin, ça a quelque chose qui m'était inconnu et qui me semblait presque dire inaccessible pour moi. Gérer les points forts, en tout cas pour moi, c'était le côté pédagogique. Donc on donne vraiment des cours, c'est vraiment adapté à toute personne, à tout niveau. Enfin, il n'y a pas de... c'est pas de l'auto-formation, donc il y a vraiment des explications du pourquoi, du comment. T'as pas compris, et ben je recommence. Je recommencerai à t'expliquer jusqu'à ce que tu comprennes. Enfin, et puis, pour moi, c'est vraiment ça. Les points forts, c'est l'aspect pédagogique. Et puis, alors aussi de. Puis, je crois aussi le fait de savoir que certaines formatrices ont été assises à la même place que nous. Et alors, quand on apprend ça, on se dit si eux, ils sont là, nous aussi on peut. Voilà. Et ça donne beaucoup d'espoir pour le futur. Et alors le point faible, ça rejoint un petit peu. On aura envie que ça dure plus longtemps. On aura envie, je sais pas, je dirais, je crois que, et puis même, je crois qu'on n'aurait jamais assez. J'aurais tendance à dire, à un mois, mais à temps complet, comme ça on pourrait refaire encore des exercices. Voilà. Je crois qu'on découvre quelque chose qui, sur lequel on accroche et puis finalement on n'a pas envie que ça s'arrête, on a envie d'en savoir plus. Voilà. Et c'est ça qui est bien. Moi j'aurais tendance à dire peut-être une formation un peu plus longue, ça rejoint un petit peu les points faibles. Déjà pour moi je trouve que c'est une formation qui est déjà très bien ficelée, pour mon point de vue. Maintenant, oui, j'aurais tendance à dire peut-être un peu plus longue, là où on pourrait peut-être plus s'exercer. Mais je vois rien d'autre comme ça. Je trouve que c'est déjà, franchement, c'est pas mal. Voilà. Mais moi, ce qu'elle m'a apporté, c'est que par rapport
au désir que j'avais au niveau de mon orientation, c'est que ça m'a donné vraiment de dire, ben oui, c'est dans ça que je veux me... Dans mes choix de vie, en tout cas de me dire, le nouveau chemin que je suis en train d'entreprendre, c'est celui-là, je suis sur la bonne route. Et ça m'a permis de me donner confiance en moi, de me dire ben, que voilà, ben, des choses qui pouvaient me sembler inaccessibles, ben non, ben, ça a la portée de tout le monde. Et puis je trouve que c'est vraiment la confiance. Et puis au niveau du quotidien, hein, que ce soit faire des petites recherches sur Internet, que ce soit envoyer des mails, je veux dire que tout le monde, j'entendais tout le monde, oh, t'as reçu mon mail, ça, moi je savais pas en faire avant, mais là, je pouvais en faire aussi, enfin, et puis, non, c'est vraiment ça, beaucoup de confiance en fait, j'ai beaucoup de ça. Non, je dirais que pour moi c'est quelque chose, enfin, dans des questions que je pourrais me, enfin, je veux dire, quand j'ai besoin de savoir quelque chose, ben voilà, enfin je sais que je peux aller voir, voilà, et que je n'ai plus besoin de me demander à quelqu'un d'autre, ou je peux rechercher maintenant, comme ça, je dirais, c'est pas non plus une petite chose que je peux faire moi-même, que je ne dois plus demander à un ami ou à une connaissance, voilà, je peux me débrouiller.